salut YouTube. Aujourd'hui, du coup, on est réunis pour voir quels sont les... Enfin, t'as compris, quoi. Toute la nouvelle saison, ok? Remember it. New AI operator. 5 attacks opponent have been added to AI bot. Ah, mais faut que je traduise en français. YouTube. J'avais totalement oublié que vous étiez complètement débile. AI, c'est intelligence artificielle. YouTube, c'est bon, tu nous suis. Les trois boulangers du fond, là, vous nous suivez ou quoi? Il y a la possibilité de swapper les rôles quand même. Swapper, c'est la possibilité de changer. L'icône est pour toi sur YouTube. New AI operator. 5 attack opponents have been added to AI bot. Donc, ils ont ajouté 5 opérateurs. Il y a 5 nouveaux bots. Ash, Nomad, Sledge, Thatcher et Termite. Ah, bah, faut voir. Est-ce que le Termite Breach, les trucs comme ça, ça peut être drôle ça. Et new playable opérateur, first 16 defender have been added. First 16, les premiers 16, du coup, defender opérateur have been added for player to use, including Scopos, the newest opérateur. Ah, ok, ok. D'accord. Dokkaebi, Nock et Solis. Il y a eu des nerfs. Nerfer, ça veut dire diminuer les capacités, hein. Ça veut dire l'handicaper. Non, mais ça veut dire le rendre moins efficace. Donc Dokkaebi, au début du round, elle a un cooldown. Ok, le temps pour le rechargement de son truc a été augmenté. J'ai rien compris. J'ai pas traduit. Non, bah non, en fait, j'ai pas traduit, ça m'a saoulé. Hein. Solis est éclaté au sol maintenant. Nox, c'est un buff. Ah, traduction, ne jouez pas Solis. Alors... Pourquoi ils drift? Pourquoi ils l'ont fait drifter? Putain, les roues, mon gars, c'est Pimp My Ride quand même. Hein. Ça touche là un peu, ça frotte un peu, non? Ah ouais, ouais, ils se sont lâchés. Ils sont en roue libre. On va toutes les faire aujourd'hui. Comme ça, après, plus jamais je les fais, ok? Alors, ça va être un condensé du coup d'humour de. Donc, si vous êtes sensible ou vous bossez chez Ubi, qui revient au même, eh ben, ne restez pas là. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir du coup. C'est un défenseur. Il est là. J'aurais quand même voulu qu'il bouge le truc, quoi. Genre, la caméra là. Tu sais, la caméra qui se décale et qu'il trouve pas, qui descend comme as, quoi. Là, ils auraient vraiment poussé le truc jusqu'au bout, quand même. Allez, j'arrête. Fast and Scopos. Tu peux l'essayer contre des IA, si tu veux. Ouais, je vais essayer, je vais essayer. Son logo est naze. Bah, au moins, la couleur nous permettra de ne pas... on le voit, quoi. Déjà, on va lire sa bio, parce que c'est extrêmement important. Here is my quote. Don't waste my time. Ok, déjà, c'est quelqu'un de très agréable. Moi, je voulais qu'il parle du fauteuil. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'accident? L'accident ou la maladie? Je sais pas. C'est quand même chelou qu'ils en parlent pas, non? Accident de cheval? T'as vu ça où? La raison, c'est qu'elle était en mission et une bombe a explosé à ses jambes. Où est-ce que t'as vu ça? C'est pas durant l'explosion avec l'arrivée de Deimos? Hein? Avec Fenrir, dans le reveal. Deimos et la Tower. Dans la rubrique au-dessus, celle où ça parle de son poney club en Vendée. Et moi, je lis ça comme un c'est... Je me dis, ah! Alors, c'est une explosion, ils l'ont expliqué dans la présentation, c'est avec Deimos. Désolé, chef, mais j'ai explosé de rire. Elle aussi. Bon, bah, du coup, c'est arrivé en mission. Ok. Opérateur tour guide. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait laguer le jeu, je crois. Les IMP contre elle, les impacts et les grenades vont être incroyables. Il peut pas se faire doc. Bah, elle va pas se relever. Allez, stop, on arrête. Please, excusez-moi pour toutes ces mauvaises blagues. Donc, du coup, elle a quoi? Elle a un PCX-33. Ouais, bon, c'est un mix de pas mal d'armes, quoi. C'est le carry handle d'un SIG-553, vu la taille. Avec, Attends. Pas le MPX, mais le MCX, il me semble, de Six Hour. Un G36, oui, de G36, oui, pardon. Et là, on dirait vraiment un MCX, pas un MPX, il me semble. Ouais, c'est clairement ça. Enfin, l'idée est la même. C'est l'avant d'un MCX... de chez Six Hour. Non, franchement, elle est jolie. Elle a la gueule. Au moins, c'est une nouvelle arme. Moi, j'en avais marre du recyclage à chaque fois. Ça me cassait les couilles. Milité de longues heures pour qu'on enlève ça, quoi. Ah, y a pas la cog. Pour le garde-main sous la queue de détente, c'est prise du FAMAS F2 en dotation dans la marine. Ah, mais oui, c'est vrai. Ça a été fait pour pouvoir s'en servir avec des gros gants, en plus que l'arme soit en plastique pour la rouille. Sachant que c'est un robot qui va l'utiliser, quand même. Donc ça, loadout, ok. P
P229, impact et truc mûche. Ok. Ça ressemble vraiment aux caméras qu'il y a sous les hélicos quand même. Je pense que l'inspiration vient de là. De voir le skin chapeau de paille sur les robots. Alors là, ils vont les niquer. Ils vont faire des trucs, c'est sûr. Ça. Ah, j'avais pas vu, elle les active et tout. Oh, putain, la vache, l'arme, elle est énorme. Ah non, c'est la vraie sensibilité, c'est juste que ça me fait bizarre. Ouh, ça a l'air sexy quand même. Ouh. Ah bah je vais me chauffer. Mais l'arme est trop grosse. Vas-y, attends, je veux juste me chauffer. J'ai pas joué depuis 2 semaines, les amis, donc ça va être catastrophique. On voulait pas. Je suis habitué de toute façon. Oh là là, l'arme elle est incroyable. Incroyable. Ça tire bien quand même. Pas de kick horizontal. Oh, ça tire tout droit. C'est incroyable. A new cover option in the aiming lane makes dummies peek out from behind a cover from... What? What? Mais c'est incroyable ça! What? C'est cool ça, sérieux? Putain, c'est incroyable ça! Alors là, t'apprends bien le Rainbow Six, là. Pas de problème là-dessus. Ah, c'est trop bien. Ah, et puis il change d'endroit en plus. Enfin, faut les trouver quand même. Putain, c'est trop relou. En revanche, qui pick in, pick out, là. Ça n'a aucun sens, mais bon. Ils enlèvent pile leur tête au bon moment, tu sais. C'est trop bien. C'est tout bête, mais ça fait la diff. Ah non, c'est vraiment cool. Avant, je vous disais tout le temps, arrêtez de vous prendre la tête avec le shooting range. C'est vraiment cool pour aller se faire un peu de aim à la limite, machin, etc. Mais Rainbow Six, c'est pas ça, quoi. Je vous avais toujours dit, pour certains, quand ils débutaient, je leur disais, vous feriez mieux de faire des shake-o-pick au niveau des fenêtres et de prendre des lignes comme ça, parce que ça va ressembler à ça, Rainbow Six, à un moment, en fait, quoi. Voilà. C'est 80% de clavier, 20% de aim, en gros. Grosso merdo. Et j'avais même dit, il aurait fallu carrément rajouter un truc ici, voire même des barricades là, quoi, pour justement avoir cette logique de picking, quoi. Ou alors, carrément se balader. C'est-à-dire, t'arrives, voilà. Mais ça, ils l'ont fait sur les maps, pour le coup. Autant d'années pour sortir ça. Hey, ok. Vieux motard que jamais. Je regarde. Non, bon, là, y a pas de... Advanced. Oh, je vais me faire enculer. Allez, let's go. Secure the area. Keep the bombs protected. Ah, et tu spawns directement avec les deux bonhommes, quoi. Et donc, ça, c'est le bonhomme. Oh, il prend des hits et ça devient rouge. Depuis quand on est en défense en IA? Il y a le swap maintenant. Donc, c'est une caméra que tout le monde peut utiliser, ça. What? Je... C'est quand même bien stylé, en vrai. Qu'est-ce qui se passe si tu t'écales, bonhomme? Mais pourquoi il reste comme as? C'est un peu con, hein? Attends, attends, ça passe en dessous là? Ah non. Seriously. Mais... Ah ouais. Et donc ça, c'est en avancée, ça. One friendly operator remaining. Pourquoi il tire pas? Mais c'était plus fort avant, non? Et il se passe quoi après? No V10 Panthéon Shell Left. Ils sont débiles en attaque. Pourquoi ils ont fait ça? J'ai même pas renforcé un mur. Thermite t'as même pas pété un mur. Il me tire pas dessus. Oh, l'arme elle fait beaucoup de dégâts en revanche.
L'arme est cool. Orange. Artificiel, je veux bien, mais intelligence. Oh, fait chier, franchement. Non, désolé, je sais que je vais faire le mec médisant, mais j'aurais quand même voulu voir un mec qui vient me... Vous voyez ce que je veux dire, quand même? J'aurais voulu voir un mec qui vient thermite, quoi. Qui vient balancer un Thatcher. Entendre un Thatcher et une ouverture de thermite, ça m'aurait fait bander, quand même. Il le faisait avant, surtout. Mais avant, tu pouvais pas être en défense. Ah oui, les anciens. Les anciennes IA. Ah oui. Ok. Et le boost. Ah putain, le boost. Eh ben, micro-machine le truc. C'est cool, n'empêche, c'est un bon ajout. Les gens, ça les faisait chier, donc peut-être qu'avec un peu de chance, voilà. Et en défense, ils étaient plus forts en branche, non? C'est en avancée, là. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont chialé, forcément. Ouais, franchement, c'est impossible de terminer une classe sur console, on a du mal. C'est sûr. Et ils ont baissé le niveau. Ils bougent pas. Et il me loupe. Ok. Non, non, mais même lame. C'était pas du tout comme ça avant. Et déjà, il faisait pas de clic droit. Il te mettait une tête sur le premier shot en hipfire. High opponent aim is unforgiving. Ah bah... Non, j'étais bien en avancé, hein, s'il y a du coup. Ouais, c'est chelou. En beginner, c'est hyper important que les gens, du coup, comprennent qu'un thermite va arriver avec un Thatcher et va envoyer sur un truc électrifié à côté d'eux et faire péter une bridge. Non. Voilà, ils balancent des grenades et des flashs. Déjà, bon, c'est déjà pas mal, mais bon. Bon, Escopo, ça a l'air trop puissant. Ça va, ils ont bien travaillé quand même. Qu'est-ce qu'il fait quand il est mort? C'était quoi à droite? Il est pendu! Ils sont aussi immunes aux canisters de smoke. Oh! On s'en fout, non? Et le feu, on s'en fout? Enfin, oui, c'est intéressant, mais non. Mais le feu de Capitao? Goyo, oui, mais Capitao, je sais pas. Capitao, il prend des dégâts. Il prend des dégâts de feu. Ok, bon, pourquoi pas, ça peut être logique. Bah ils ont vraiment baissé le niveau des bots, hein. Là avant il me tuait par exemple, je pense. Une seconde, si tu tirais pas en une seconde, je trouve ça très dommage. Il apprend pas, c'est du fake intelligence artificielle. En 2024, je pense quand même c'est une logique de deep learning. C'est une machine qui apprend toute seule. Là, il n'y a pas ça en l'occurrence, il apprendra jamais. Quitte à ne pas avoir ça, autant ne pas faire chier, mettre 3 niveaux. Beginners, avancés et pro, ou n'importe quoi, et faire en sorte quand même que le niveau pro soit exceptionnel. Le truc d'avance, c'est-à-dire tu prends vraiment un truc ou hardcore, ou tu mets le nom que tu veux. Le truc, c'est qu'une fois de plus, on essaie de sucer les gens qui sont pas très bons, plutôt que de tirer vers le haut, en fait. Ouais, c'est trop dur et tout, nous on n'y arrive pas. Mais ça, oui, d'accord. Néanmoins, sache que quand bien même ce serait difficile, ce sera de toute façon moins difficile que d'affronter de très très bons joueurs. Quand les bots commencent à être des bots débiles hein, et pas bons, c'est nul en fait dans tous les jeux. Et ça, j'imagine bien des chialeuses quand même. Non, c'est un peu décevant. Alors je sais pas si c'est un bug, je sais pas si ça va être amené à... Voilà, mais justement, profitons des TTS pour refaire remonter ce qu'on considère comme étant à travailler. Essaye beginner pour voir vite fait. Voilà, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas joué. Je me concentre pas tout de suite, je fais le... Ah oui, c'est beginners, hein, bon, je suis con. Ah, bah, allez. Ça, c'est les duels sur PS5, quoi. Les salty duels sur PS5, les gars.
Play while we're matchmaking. Oh. Enfin. Tu peux aller dans le shooting range pendant que t'es en train d'attendre. Tous les jeux le faisaient, ça. Et t'auras en haut à gauche, du coup, marqué le matchmaking. Mais ça... Wait in shooting range. Mais c'est génial, ça. Ah, ça, c'est incroyable. C'est le meilleur features du jeu. A match has been found. C'est nul à ch... J'ai pas le temps de jouer. Solis, elle est là. On se barre. What? Attendez, on va savoir du coup. Rien. Attends. Il en est pris un peu. Et que ce soit pas assez, je veux bien, tu vois. Mais 0%. En revanche, la couleur du bonhomme, elle est horrible. Marron sur marron, là. C'est la guilde TTS, non? Non, je sais pas. Mais pourquoi quand il meurt, il se suicide? Mais... C'est peut-être un peu laggy parce que... Nock, putain. T'as raison, désolé. Wow, avec un ACOG apparemment faut le tester. Flash Hider parce que voilà. On va prendre ça, on va aller là, on va faire ça. On va mettre ça avec un silencieux parce que c'est trop stylé. Ça nous rappelle Doberman. Compensateur là-dessus, non? Pas trop en couille. Oh, ça a l'air incroyable quand même, non? Ça va rendre le jeu encore plus rapide. Ah oui, c'était drôle. Nox, c'est un nouvel opérateur là, quasiment. Je sais que ça donne l'impression que pas du tout, mais c'est très très fort quand même. C'est vraiment surpuissant là. Mais là, j'arrive. Ah ben non. Du coup. Ah mais je peux le balancer tout de suite après. Et si je donne un coup? Ah, je peux faire ça en revanche. Tu veux venir mettre tes câbles ou quoi? Il y avait un mec à gauche, non? Ah merde, faut pas courir en revanche. Oh, l'arme elle est incroyable! Bon, peut-être mettre un compensateur. Go, you frog eating cunt. Go, man. Reloading. Another one flanking you. Le rechargement de sa capacité a l'air assez long. Ah ouais? Bah il se décharge pas quand tu marches, donc ça va en vrai. Ah putain. Mais non, mais c'est trop relou ça, le truc d'enlever son shield. Attends, mais c'était pas comme ça la barrière avant, Daruni? Ils ont refait la barrière Daruni. C'est devenu re-hyper fort. Oh putain, non. Faut que j'apprenne où il est. Il est où? Il est là. Je vais faire une marque sur mon écran. Plus personne peut me battre. What? C'est quoi cet opérateur? What? Attends, si tu fais... Oh putain, faut le faire qu'une fois. 0 sur 20. Qu'est-vous? Ça, c'est incroyable le passage que ça laisse là. Attends. Ah non, quand même pas. You're a nice try, Azam. Op 4, last operator standing. Mais ça me fait un TK?
Attends, quand tu butes le robot égale un kill. Bah oui, si un robot meurt, l'agent meurt. Non, mais non, là j'ai pas tué mon... Mais non, l'agent était mort, il restait que le robot. Peu importe s'il est actif ou non, non, c'est juste moins 10. Vous êtes prêts? Ça va être très rapide. Entrée, boum. Terminé. Combo chewing-gum, le mec. Ça, je vais en faire un tuto. Dans les TTS, quand vous voulez le nouvel opérateur, vous prenez un vieux chewing-gum qui traîne sur le bureau et vous le collez sur l'écran. Je sais pas du tout. En plus, je connais pas la map, tu vois, donc bon, c'est un peu relou quand même. Est-ce qu'on peut faire des trucs genre ça, quoi? C'est pas simple à utiliser quand même, hein. Ça, c'est puissant, mais c'est pas simple, on va pas se mentir. I'm staying here, so let's get the fuck away. Jeez. Why is the hitbox so big? What? Mais c'est horrible! Mais c'est horrible, attends! Ça a l'air chiant à utiliser quand même. Ouais, tu peux te mettre en cam dehors? Ah, c'est ma question ça. Bon, ma technique marche en tout cas pour avoir le nouvel opérateur. Il faut que je le joue pour voir les plays intéressants avec. Est-ce qu'on peut brava le robot et genre l'utiliser après? Oui, tu brava directement le robot et du coup ensuite le défenseur devient attaquant. Et il est obligé en fait. Donc ça va être marrant quand il va y avoir des G2 versus phase et tout, tac, tu vois. Le mec va devoir aller de l'autre côté. D'un point de vue e-sport, c'est pas... ça va être complexe à mettre en place, quoi. Non? Oh putain, oh, je suis un débile. YouTube, hein, vu que t'es un peu con, lâche un commentaire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok, c'est bon. Je n'ai plus le droit de alt-tab. Non, genre vraiment, c'est question de vie ou de mort. C'est horrible. Ça me l'envoie sur mon autre écran, j'ai rien demandé à personne. Le jeu est là depuis 2015, on le rappelle. Et please, est-ce qu'il y a eu des gens comme moi qui ont genre mis à peu près 15 ans de leur vie? 15 ou 20 ans peut-être même. Mais au bout de 15 ans, j'ai compris que le logo Carrefour, c'était pas du tout un coup de poing américain. Un jour, quelqu'un me l'a expliqué et m'a dit « Bah non, c'est un C ». Et j'ai fait, mais mec, mais j'avais l'impression d'avoir regardé la fin de Inception. Drama Weistug. Il a dit hier que j'étais chiant de temps en temps en live parce que je devenais fou à un moment. Putain, le gars, à chaque fois, je vais le voir, j'ai l'impression qu'il est sous Prozac. Lui. C'est un couteau CSGO le truc. Ouais, ouais, ouais. Moi, je voyais exactement ça. Je voyais un truc, tu passes deux doigts là. Voilà. Quand tu lui enlèves son shield, il suit. Et quand il meurt... Je vais délaître la vidéo, la VOD. Oh là là, ça va permettre de monter encore. Attendez-vous encore à des vidéos dans 3 jours. Hey, what's up, guys? If you use Scopus and if you go here and here and you vault here, you have like a tiny pixel here, okay? And you can vault on the pool. And if you shoot the green ball and you go there and you climb on the green ball and then you can fly in the sky. Ça, c'est sûr. On va nous casser les couilles. Vidéo de... Son logo, on dirait l'appareil géniotal féminin. Ah ouais, Yonim, vous b**ez plus avec ta meuf. Hein. Ah ouais, c'est fini. Mon gars, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi quand même. Oh, si ça, c'est... Autant mettre ton sgeg dans un taille-crayon. On m'a envoyé ça et on m'a dit qu'il fallait que je teste ça, les gars. Ça se mange. C'est des coups d'alligator. Et c'est incroyable, apparemment. Donc je vais vous faire une dégustation en live. Les meilleures dates au monde, c'est ceux d'Algérie. Va voir sur internet. Mec, il n'y a rien de bien qui vient d'Algérie. Arrêtez. Arrêtez de vous mentir. Les meilleures dates, ça vient de Tunisie, frérot. Espèce de raciste, comment peux-tu dire ça alors que je ne suis même pas algérien? C'est marrant, hein. Il n'y a que avec l'Algérie où si tu fais un taunt sur la nation, on te traite de raciste tout de suite. Si j'avais dit la Belgique ou j'aurais dit le Maroc, on... ouais, le Maroc, on m'aurait dit pareil. C'est mignon, 6-4. Ouais, je sais. On prend un sub du coup.